We know that the blood of Jesus is one sacrifice. Nous savons que le sang de Jésus c'est un seul sacrifice. It is one ultimate sacrifice. C'est un seul sacrifice ultime. And there will not be another Calvary. Et il n'y aura pas un autre calvaire. That means, ça veut dire, God has seen, Dieu a vu, that in France, en France, you have abused the blood of Jesus. Vous avez abusé du sang de Jésus. Because we know, parce que nous savons, that the blood of Jesus has power, que le sang de Jésus a la puissance, to transform anybody, anybody, de transformer n'importe qui, n'importe quelle personne. It does not matter what you have done, whether you have killed or what, a boy, you have been from jail, you have anybody, anybody, n'importe qui, whether you have just walked out from jail, même si vous sortez de prison, whether you are still in jail, même si vous êtes encore en prison, the blood of Jesus has power. Le sang de Jésus a la puissance to transform your character, de transformer votre caractère, to transform your identity, pour de changer votre identité. And that's why he sent me to you. C'est pourquoi il m'a envoyé à vous. He said, hey, run to them. Il a dit, hey, go vers eux. They're going to miss the wedding. Ils risquent de manquer les noces. I see them dancing in the house. Je les vois en train de danser dans la maison. But tell them that will not take them very far. Dites-leur que cela ne les amènera pas loin. Run, I see as if they are not covered by the blood. Cours, parce que je vois comme s'ils ne sont pas couverts par le sang. Because when they came, when they were out, they were in sexual sin. Parce que quand ils étaient dehors, ils étaient dans le péché sexuel. And I see they have entered my house, they are still sitting there with sexual sin. Ils sont rentrés dans ma maison, ils sont assis là-bas, toujours dans le péché sexuel. I can see they have not been transformed. Je vois qu'ils ne sont pas encore transformés. The blood, they are not covered by the blood. Les sangs, non, ils ne sont pas couverts par le sang. The blood of my son is so tremendous, it will change somebody, change your identity. Le sang de mon fils est tellement extraordinaire, ça doit changer la identité. Such that when you enter here, quand vous rentrez ici, and receive the Lord, que vous recevez le Seigneur, and you go back to work after 1 week, et que vous retournez quand même une semaine après, even the next day, même le même jour, and the people in your workplace, et les gens de ton travail vont, wow, ils vont dire, wow, what happened to you today? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi aujourd'hui? You are full of joy and light. Tu as la lumière et tu es plein de joie. We see so much light in you today. Nous voyons une grande lumière en toi aujourd'hui. You are just happy today. You are not the same gloomy one every day. Tu es rempli de joie aujourd'hui, plus comme tu étais avant attristé. Then she says, alors elle va dire, have you heard about the Jesus of Nazareth? Avez-vous entendu parler de Jésus de Nazareth? Did you hear about him? Avez-vous entendu parler de lui? Yes, I have. Yeah, oui, j'ai entendu parler de lui. I took him yesterday. Je l'ai reçu hier. He has power. Il a le pouvoir to transform the drug addicts. De transformer ceux qui sont dans l'addiction de la drogue. To clean them in the house. De les purifier dans la maison. He has power. Il a la puissance to transform the sexually immoral. De changer ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle. Until they become the daughters of God Almighty. Jusqu'à ce qu'elles deviennent les filles du Dieu Tout-Puissant. Until they become the sons of God. Jusqu'à ce qu'ils deviennent les fils de Dieu. He has power. Il a le pouvoir to transform the prostitutes. De transformer les prostituées. Until they become the children of light. Afin qu'elles deviennent les filles de la lumière. How come you're not transformed? Comment est-ce que vous n'êtes pas transformé? The same dressing you had in the world, I see you wearing them in the church. La même façon de s'habiller que vous avez dans le monde, vous continuez avec cela dans l'église. But there is something I must say in this church. Mais il y a quelque chose que je dois dire à cette église. I want to say something. Je dois dire quelque chose. This church, I love you with the love of Christ. Cette église, je vous aime de l'amour du Christ. The way I see you dressed in clothes for the Lord. La manière dont je vous ai vu être revêtu pour le Seigneur. The uniform I see you wearing. Les uniformes dont vous êtes habillé. Yesterday in the dream when you were showing me this meeting. Hier quand il montrait dans la rêve de cette réunion. You were showing me the uniforms. Il me montrait les uniformes. I see the fear of the Lord in this place. J'ai vu la crainte de Dieu à cet endroit. I see something that is very hidden elsewhere, it has been revealed to you. J'ai vu qu'il y a des choses qui étaient cachées ailleurs, mais a été révélée à vous ici. It was about Jesus. C'était au sujet de Jésus. They went out of their way to separate. Ils sont sortis et se sont séparés des autres.
And they dressed for him. Et ils s'habillaient pour Jésus. And they had fear of him. Ils avaient la crainte de Jésus. They knew Jesus of Nazareth. Ils ont connu Jésus de Nazareth. And so they walked and lived for the Lord. Alors ils ont marché, ils ont vécu pour Jésus. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Everybody just stay, sit down and follow this very carefully for yourself. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. The Lord is asking the church today. Le Seigneur demande à l'Église aujourd'hui to be covered by the blood of the Lamb. D'être couvert par le sang de l'agneau. Make sure that you are covered by the blood of Jesus. Soyez sûr que vous êtes couvert par le sang de Jésus. Make sure in everything you do. Soyez sûr dans tout ce que vous faites. If you were out in the Eastern religions. Si vous étiez dehors dans la religion orientale. In the idol religions. Dans la religion idolâtre. There is no way you can continue in idolatry in the church. Vous ne pouvez pas continuer dans l'idolâtrie dans l'église. Alléluia. Alléluia. He told the house of Jacob. Il a dit à la maison de Jacob. Only the blood of the Lamb. Seulement le sang de l'agneau. Make sure you are covered by the blood of the Lamb. Soyez sûr que vous êtes couvert par le sang de l'agneau. And then the other thing is eat bread without yeast. L'autre chose c'est de manger le pain sans levure. Today, when you look at the Church of Christ in France, aujourd'hui quand vous regardez l'Église du Christ en France, the Church of Christ in Europe, l'Église du Christ en Europe, what do you see in the church? Ce que vous voyez dans l'Église, the Christians in Europe, les chrétiens en Europe, the church is you Christians. L'Église c'est vous les chrétiens. They are eating bread with yeast. Ils sont en train de manger le pain avec levure. So much yeast. Il y a tellement de levure. Ah, the Bible says we must drink a little for the stomach. Non, la Bible dit qu'on doit boire un peu à cause de l'estomac. And you say, stop drinking, my daughter. Stop drinking. Arrête de boire, ma fille. No, you see, we must continue drinking. No, because you know we are a modern church. Nous devons continuer à boire parce que nous sommes une église moderne. My daughter, please. Those meetings you on Friday night. Stop drinking alcohol. Ma fille, s'il te plaît, ces réunions de vendredi soir, arrête de boire, arrête de boire. We have become a modern church. Nous sommes devenus une église moderne. So we even drink beer. Nous buvons même la bière. We even drink alcohol. Nous buvons même l'alcool. The wines. Le vin. This is France. Ça c'est la France. There is so much drinking of wine. Yes. Tellement de vin qu'on boit ici. Many people drink wine here and there without caring. Beaucoup de gens ici boivent le vin ici et là-bas sans se soucier. There is immorality everywhere. Il y a l'immoralité partout. Please, s'il vous plaît, be covered by the blood of the Lamb. Soyez couverts par le sang de l'agneau. And let us remove everything that is yeast. Et enlevons tout ce qui est levain dans le pain. From our lives. De notre vie. That is the meaning of the clock that is 1 minute to midnight. Ça c'est le sens de l'horloge qui est 1 minute avant minuit. Let me share with you a Hebrew secret. Laissez-moi partager avec vous un secret hébreu. In Israel, en Israël, God gave Moses a command. Dieu a donné un ordre à Moïse. And in that command, dans cet ordre-là, He told him to tell the house of Jacob. Il lui a dit de dire à la maison de Jacob. To make sure, d'être sûr, that they always observe the feast of Passover. Qui continue à observer la fête de la Pâque. The feast of Passover. La fête de la Pâque. And he said, make sure they observe as a lasting ordinance. Ils observent cela comme une ordonnance perpétuelle. Lasting, which means lasting covenant with God. Ça veut dire une ordonnance, une alliance perpétuelle avec Dieu. Why did God tell Israel to do that? Pourquoi Dieu a dit à Israël de faire cela? Because he knew he was taking them to the land of milk and honey. Parce qu'il savait qu'il les amenait à un pays où coulait le pain, le lait et le miel. In other words, the land of prosperity. En d'autres mots, le pays de prospérité. They are going to have private aeroplanes. Il y aura des avions privés. They are going to have the best medical system in the world. Il y aura le meilleur système médical. The best engineering in the world. Le meilleur ingénieur dans le monde. The best software engineering of the world. Le meilleur ingénieur de logiciels dans le monde. In fact, the best aerospace engineering of the world. Les meilleurs ingénieurs aérospatiaux dans le monde. The best economy of the world. La meilleure économie dans le monde. He knew that. Il savait cela. And he knew that those things can easily make you forget
where God removed you from. Et c'est que ces choses peuvent facilement te faire oublier d'où tu es appris. So he said, make sure as a lasting ordinance, observe this. Et Boubain a dit, comme une ordonnance perpétuelle, observez la fête de Pâques. When I was in Israel, I told you for 7 years I was there. Quand j'étais en Israël, je vous ai dit que je voulais en Israël pendant 7 ans. And I did not know the Lord took me there so He can call me from there. Je ne savais pas que le Seigneur m'avait amené là-bas afin qu'il puisse m'appeler de là-bas. But anyhow, mais I found out something that shocked me. Quelque chose qui m'a choqué. Every time the Pesach, they call it Pesach. Chaque fois qu'il arrive le temps de la Pâque, ils appellent ça Pesach. When Pesach was about the time to observe the feast of Passover was near. Quand le temps de servir la fête de la Pâque arrivait, I used to cry. Je commençais à pleurer. Because I knew, parce que je savais, that there would be no bread in the shops. Je savais qu'il n'y aura pas de pain dans les boulangeries. Because there would be what we call matzah. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle massa. It is, they made it in flat with ridges. Parce que c'est une farine qu'on met. With stripes, they make it with stripes. It is like a piece of wood. Pah, you break it, no taste. C'est très dur, c'est plat. Et quand vous goûtez, ça n'a pas de goût. And they observe it for 1 week. Et vont observer comme ça pendant une semaine. But what made me cry more? Mais ce qui m'a fait le plus pleurer was the fact that I did not have a sheep on the ocean, my own sheep. Parce que je n'avais pas de bateau dans l'océan pour moi-même. I always longed for a big ship of my own. J'avais toujours envie d'avoir un grand bateau pour moi-même. Why? Pourquoi? Because when they were preparing for the Passover, quand ils se préparaient pour le temps de la Pâque, you walk near the garbage dump. Quand vous passez à côté de la grande poubelle, you find new laptops, new computers have been thrown. Vous allez voir qu'ils ont jeté de nouveaux ordinateurs. You find very nice new sofas have been thrown. Des nouveaux logiciels jetés. New microwaves have been thrown. Les nouveaux micro-ondes étaient jetés. New ovens have been dumped. Les nouvelles fours étaient jetées. Nice clocks thrown. Les belles montres étaient jetées. Big TVs thrown on the garbage. Les grandes télévisions étaient jetées à la poubelle. And I said, Lord, I wish I had my own ship. Je disais, Seigneur, je souhaiterais avoir un grand bateau pour moi-même. I would load it and I would head towards Kenya. J'allais remplir mon bateau avec ces choses et amener ça au Kenya. And I would have things in my house. Et j'aurais beaucoup de choses chez moi. And I asked some of the professors there. J'ai demandé à l'un des professeurs là-bas. Excuse me. Je dis, excusez-moi. What is this? Ça veut dire quoi ça? Why are you aren't these things good things? Est-ce que ces choses ne sont pas bonnes? Why are you throwing them? Pourquoi vous les jetez? And then he said, alors il dit, Oh. For us in the Jewish culture, pour nous dans la culture juive, we were given instruction by Jehovah. Jehovah nous a donné une instruction. That when the Passover is coming, quand le temps de la Pâque arrive, anything in your house, n'importe quelle chose dans ta maison, it does not matter how expensive it was, peu importe le prix que cela a coûté, it does not matter how new it is, peu importe si c'est nouvelle chose ou pas, for as long as it touched yeast, si ça touchait la levure, you have to throw it out, tu vas jeter ça dehors, before the midnight hour, avant que l'heure de minuit arrive. Whether it was a TV in the kitchen, même si c'était une télévision dans la cuisine, and you know the Jewish mother likes baking bread, et vous savez que les femmes juives aiment faire le pain dans la cuisine, and so a lot of yeast goes to the TV, to the sofas, to the computers in the kitchen. Les levures sont allées dans les télévisions, dans les sofas, dans les ordinateurs, dans la cuisine. Everything to the garbage. Chaque chose doit être jetée dans la poubelle. And he told me, alors il m'a dit, that for us, then I said, but that's too much money. J'ai dit, mais ça c'est beaucoup d'argent. And he said, but for us, the Jewish people, j'ai dit, mais pour nous les peuples juifs, we don't look at it that way. Nous ne regardons pas cela de cette façon. We look at it, nous regardons cela, as an opportunity, comme une opportunité, to start anew, de renouveler, de commencer à nouveau. Anything, peu importe la chose, that touch yeast, toute chose qui a touché la levure, out to basura, to the garbage, on doit jeter ça dans le basura, dans la poubelle. So it is in the Church of Christ in France. Est-ce qu'il est-il pour l'Église du Christ en France? That's why He has sent me here. Je peux m'envoyer ici. That the midnight hour is near. Que l'heure de minuit est proche. Anything in your life,
n'a pas quelque chose dans votre vie. That gain contact with you. J'ai en contact avec la vie. However precious. Peu importe le prix de cela. However new. Peu importe que c'est nouveau. However expensive. Peu importe que c'est trop cher. Listen to me. Écoutez-moi. Out to the garbage. Jetez ça dans la poubelle. It does not matter anymore. Ça n'a plus d'importance maintenant. Anything in your life. Et n'importe quelle chose dans votre vie. Anything in your life. N'importe quelle chose dans votre vie. Begin to examine your life. Commencez à examiner votre vie. Listen to me, the Church of Christ in France. Écoutez-moi, l'Église du Christ en France. I have been sent here. J'ai été envoyé ici. By the Father of Christ. Par le Père du Christ. By Jehovah Yahweh. Par Jehovah Yahweh. By the God of Israel. Par le Dieu d'Israël. He has sent me here. Il m'a envoyé ici. To tell you. De vous dire. To remove the yeast from your life. D'enlever la levure de votre vie. Yeast is corruption. La levure c'est la corruption. Yeast is infection. La levure c'est l'infection. Yeast is inflammation. La levure c'est l'inflammation. Yeast is corruption, swollen. C'est l'inflammation, c'est la corruption. You see, when you put a little yeast in the bread, it swells. Quand on met un peu de levure dans la farine, ça gonfle. Yeast is tasty to the flesh, the tongue. La levure ça a du goût pour la langue. Let us go back to the bread that has no taste to the flesh. Retournons à le pain qui n'a pas de goût pour la chair. The pastors today in France. Les pasteurs aujourd'hui en France. They are preaching a gospel that is sweet to the tongue. Ils prêchent l'évangile qui est très agréable à la langue. It is sweet to the flesh. C'est agréable à la chair. And they love it. Et ils aiment cela. And they tell you. Ils vous disent. You are not anointed until you are a private aeroplane. Vous n'êtes pas assez loin jusqu'à ce que vous avez un agent privé. You are not anointed until you have a big car. Vous n'êtes pas loin avant que vous ayez une belle voiture, une grande voiture. And they tell you in that gospel. Ils vous disent dans cet évangile. That as a Christian you should be waiting for the financial wealth transfer. En tant que chrétien, vous devez attendre un transfert financier dans votre corps. In that gospel, they tell you. Dans cet évangile, on vous dit. That you know we are kings because Jesus is the King of Kings. Vous savez, we are kings. Vous savez, nous sommes des rois parce que Jésus est le roi des rois. And yet I know that me, I'm a slave of the Lord. Alors que moi je sais que je suis un esclave du Seigneur. How can I be a king when he is a king already? Comment est-ce que je peux être roi alors que lui est déjà le roi? I have to be a slave so he can be the king. Je dois être un esclave pour qu'il soit le roi. Remove the yeast. Enlevez la levure. If the yeast is the miniskirt, burn it. Si la levure c'est le miniskirt. If the yeast is that disco you escaped in the night to go to, stop it. Si la levure, c'est cette disco que vous avez promis d'aller voir la nuit, arrêtez cela. If the yeast is that alcohol that you once in a while you steal to drink, stop it. Si la levure, c'est ce vin, cet alcool que tu as l'habitude de boire, alors stop cela. If it is the movies that you watch, stop it. Si c'est le film que tu regardes, arrête cela. How can an immoral man in Hollywood run your life? Comment un homme immoral de Hollywood peut conduire votre vie? And you, I saw in the movie, so I must try it. Alors j'ai vu ça dans le film, alors je dois essayer cela. Why don't you allow the man, the person of the Holy Spirit, to run your life? Pourquoi vous ne permettez pas à la personne du Saint-Esprit de conduire votre vie? If it is that marijuana you are testing, stop it. Même si c'est que vous avez essayé, arrêtez cela. The ban. Le ban marijuana. Le marijuana. La ban. Le chanvre. When the Holy Spirit comes to your life. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie. Don't you see me always laughing here? N'est-ce que vous ne voyez pas rentrer les vies tout le temps ici? You will be so high. Vous serez tellement élevé. There is no other high higher than that. Il n'y a pas une élévation plus grande que celui-ci. When the Holy Spirit comes to your life. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie. You will just sit and have joy. Vous serez là assis dans la joie. A time I can sit and weep. Et à des moments je peux m'asseoir et pleurer. And you just realize how much there is peace and joy. Je réalise alors combien il y a paix et la joie dans mon cœur. And accomplishment. Et il y a l'accomplissement. And job satisfaction. Et il y a une satisfaction du travail. This kind of job ce genre de travail has the highest job satisfaction.
satisfaction. Un travail qui a une satisfaction supérieure. There is no better. Y a pas mieux que ça. Remove the yeast. Enlevez la levure. Go to your closet tonight. Allez dans votre garde-robe ce soir. Where you put your closet. Là vous mettez vos habits. And start removing the yeast. Enlevez, commencez à enlever la levure. Go to your homes today. Allez dans votre maison ce soir. And go to the fridge. Allez dans le frigo. And start throwing out the yeast. Enlevez la levure qui est dans votre frigidaire. That cold beer out. Out. Yeah. They are. Go to your TV channels. Allez dans votre chaîne de télévision. And take a piece of paper. Et prends une liste de papier. And go to the next and write down the yeast. Next, write down the yeast. Écrivez toutes les levures. Next, write down the yeast. Après ça, écrivez la levure. Next channel. La prochaine chaîne. And call the cable provider. Et appelez la chaîne de câbles. Call the cable provider. Appelez les ceux qui donnent la télévision, les satellites. Tell him please listen to me and very carefully. Dites à cette compagnie s'il vous plaît écoutez-moi. Can you please shut down the following channels? Est-ce que vous pouvez enlever pour moi toutes ces chaînes ici? Amen. Go to your workplace. Allez à votre lieu de travail. And go to that woman that has been laughing at you. Allez voir cette femme qui vous combattait au poste de travail. And pull her near. Tell her, please, can you come? I want to share something with you. Appelle-la de côté. Est-ce que tu peux venir? J'ai quelque chose à partager avec toi. I am born again. Dis-lui, je suis né de nouveau. And also married. Et je suis aussi marié. In a Christian marriage. Et dans un mariage chrétien. Please leave me alone. S'il vous plaît, laissez-moi de côté. Hallelujah. That is what the Lord meant in Amos chapter 9. C'est ce que Dieu veut dire dans Amos chapitre 9. Verses 11 to 12. Verset 11 à 12. When he said, in those days I will return. Quand il dit dans ce jour je viendrai. And restore David's fallen tent. Et je vais restaurer les tentes qui sont tombées, les tentes de David. And restore the church. Et je vais restaurer l'église. And make it as it used to be. Et de les rendre comme cela avait été avant. Do you remember the primitive church? Vous vous rappelez l'église primitive? Where Paul was preaching. Quand Paul prêchait. Where Peter was preaching. Quand Pierre prêchait. Where John was an apostle. Quand Jean était un apôtre. Where John was jailed. Quand Jean était pris en prison. And yet he received revelation in jail. Alors il a reçu l'apocalypse dans la prison. They walked Christ. Ils ont marché Christ. They lived Christ. Ils ont vécu Christ. They preached Christ. Ils ont prêché Christ. They testified Christ. Ils ont témoigné Christ. And when they ate Christ. Quand ils ont mangé Christ. And when they went to sleep. Et quand ils sont allés dormir. They slept Christ. Ils ont couché Christ. And they dreamt Christ. Ils ont rêvé Christ. When they woke up. Quand ils se sont réveillés. They woke up Christ. Ils se sont réveillés Christ. Where is the church in France? Où est l'église en France? Who is dreaming Christ? Qui est en train de rêver Jésus? Who is preaching Christ? Qui est en train de prêcher le Christ? Who is walking Christ? Qui est en train de marcher le Christ? Who is testifying Christ? Qui est en train de témoigner le Christ? Who is living Christ? Qui est en train de vivre le Christ? I talked about Exodus chapter 12. Read it at home. J'ai parlé de Exodus 12. Vous allez lire ça à la maison. How the Lord told Israel to prepare for the midnight hour. Comment le Seigneur a dit à Israël de se préparer pour l'heure de minuit. And he says, when it comes to the midnight hour. Il dit lorsque l'heure de minuit arrivera. At that time, now only the blood matters to him. À ce moment-là, rien que le sang importe pour lui. And he told them, put it on the door frames. Il dit mettez-le sur les portes, les lenteurs de la porte. At that time, I only want to see the blood, nothing else. En ce moment-là, je voudrais seulement voir le sang et rien d'autre. And verse 7. Verset 7. He says. Il dit. The blood of the lamb without a defect. Le sang de l'agneau sans défaut. John chapter 1:29. Jean 1 verset 9. When John the Baptist saw Jesus coming. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir. Behold the lamb of God. Dit, voici l'agneau de Dieu. That taketh away the sins of the world. Qui ôte le péché du monde. So right now. En ce moment. Only the only thing that matters. La seule chose qui importe is the blood of Jesus over the church. C'est le sang de Jésus sur l'église. That means the Lord is telling the pastors in Canada. C'est-à-dire que l'Éternel dit aux pasteurs au Canada. Change your sermons. Changez vos sermons. Begin preaching the blood of Jesus. Commencez à prêcher le sang de Jésus. Begin covering the sheep with the blood of the lamb.
world. Il y a une adoration des dieux de ce monde. But God is now saying. Mais Dieu dit maintenant. That only the blood will make a difference. Rien que le sang ferait la différence. The only difference I see is the blood of Jesus. La seule différence que je vois, c'est le sang de Jésus. In other words, he's asking the church. En d'autres mots, il demande à l'église. I have watched you for many years. J'ai attendu pendant plusieurs années. Are you really covered by the blood of Jesus? Êtes-vous réellement couvert par le sang de Jésus? I have watched you for very many years. Je vous ai regardé pendant plusieurs années. But are you really covered by the blood of the Lamb of God? Êtes-vous réellement couvert par le sang de l'agneau de Dieu? Why would God ask such a question at 1:00 p.m? Pourquoi Dieu posera-t-il cette question à 23:59? That means he has watched the church. C'est-à-dire qu'il a regardé l'église. And yet he knows. Et il sait. That there is no other Calvary again. Il n'y a pas d'autre calvaire encore. There is only one Calvary that took place. Il n'y a eu qu'un seul calvaire qui a eu lieu. And when the blood of Jesus touches you. Et lorsque le sang de Jésus vous touche. It should change your identity. Cela doit changer votre identité. You must be different from the world. Vous devez être différent du monde. And yet he has watched the children of God in the church. Il a regardé les enfants de Dieu dans l'église. He has watched the church over the years. Il a regardé l'église pendant des années. She has maintained the same identity as the world. Elle a la même identité que le monde. And God is grieving now. Et Dieu est en pleurs maintenant. God is crying to the church right now. Dieu pleure pour l'église en ce moment. He is asking her. Il lui demande. Are you really covered by the blood of Jesus? Êtes-vous réellement couvert par le sang de Jésus? Because when the midnight hour arrives, lorsque l'heure de minuit arrivera, only the blood will matter. Seul le sang va importer. If I see the blood cover your heart, si je vois le sang couvrir votre cœur, the door frame of your heart, les montures de votre cœur, I will deliver you from the tribulation. Je vous délivrerai de la tribulation. And he told Israel. Et il a dit à Israël. When you prepare for the midnight hour, lorsque vous préparez pour l'heure de minuit, you need to tuck in your clothes like this, and you need to hold the rod in one hand. Et vous devez tenir le bâton dans une autre main. The rod in one hand here. Le bâton dans une main. And eat the lamb in a haste, in a hurry. Et manger l'agneau en vitesse. That means God is saying when it's 1:00 p.m. Il dit quand il est 1 minute avant minuit. Whatever you do in the church, tout ce que tu fais dans l'église, do it in a hurry now. Fais-le rapidement maintenant. That's why in that vision, c'est pour ça dans la vision, he made me panic. Il m'a fait paniquer. He wants the church to panic right now. Il veut que l'église panique en ce moment. You must panic at this time. Vous devez paniquer en ce moment. Am I really going to make it? Je vais vraiment y aller. But if you find yourself comfortable now, like the church in Canada, si vous vous sentez à l'aise maintenant comme l'église au Canada, 11:59 p.m. she's so comfortable in the world. 23:59, l'église est à l'aise dans le monde. I am afraid. I feel like crying. J'ai peur. Je sens comme je dois pleurer. I said, Lord, Seigneur, she needs to start work now, and there is no time. Elle doit commencer maintenant, et il n'y a plus de temps. She needs to start preaching the purity of the church. Elle doit commencer à prêcher la pureté de l'église.